Parce que M. Ferdinand, c'est un nouveau programme que le ministère a mis dehors. Il faut que vous cherchiez proximité avec la population. Mais au-delà des activités récréatives qu'on voit, c'est un webbit taxi qui la donne. C'est un moyen pour nous apprendre qu'on a besoin de chaque zone, besoin de chaque quartier. Nous avons 41 quartiers là, on va le visiter au paquet de nuit, après le 24 décembre. Il faut nous voir quelle capacité que retour social de la population. Comment le cas aider nous pour faire l'alphabétisation? Comment le cas aider nous pour faire planning familial? Comment nous sommes capables de décider quel programme que nous sommes capables de créer comme opportunité pour nous mieux? À ce moment-là, où est là, où est ma pratique dans l'activité créative là, mais pendant ce maintenant, le comité quartier qui organise ça, c'est lui qui est avec nous dans le ministère. Pour nous garder jeunesse là. Est-ce qu'elle besoin de formation professionnelle? Comment nous orienter sur le chemin de l'emploi? Comment nous garantir indépendants? Comment recevoir sa capacité pour point central pour nous? Qui va être nous connaître qui sa capacité dans la communauté? Ça a été le plaisir, mais là, on ne peut pas prendre micro pour me faire discours. Et ça qui est intéressant, c'est en train de la communauté. Jean-Président Mandela, on a une proximité avec la population. Pas créer distance, on ne pas faire programme pour faire programme. On fait un programme pour que l'État lui-même rentre et fasse seul avec la population pour qu'on puisse connaître qui est la plus belle façon pour l'atterrir dans la population. Et proximité ça est avec la population d'Elma 39, comment elle? Je suis capable de dire que je trouve que d'Elma 39 est favorable. Au contraire, je profite de l'événement pour ça pour dire merci pour accueillir. Ce qui est important pour nous, c'est que je dis à nous, il y a toute catégorie de monde qui est là. Nous avons adultes, nous avons petits mouns. On regarde nos primes, ça dit qu'on coupe fête, qu'on coupe chaise. Si nous arrivons à Chita, nous avons des primes. Sauf façon que nous avons montré en réalité, la population a besoin de vivre. Il a besoin de l'autre façon lui-même pour l'exprimer, de l'autre façon pour le recréer, de l'autre façon pour nous écarter nos verres violences qui ont fait forme, de l'autre façon pour nous réapprendre à vivre ensemble. Et c'est ça qu'on va apprendre là aujourd'hui. Nous parlons de la solidarité, nous parlons de Bel-Air, nous parlons de l'ambassade. Nous, années 95, nous petits bois, nous grands ravines. C'est pour nous, sous 41, nous bouquons champagne, des amis, nous tout partout. La chance, c'est pas le bon temps. La bataille pour nous faire maximum, même commencer par le matin aujourd'hui. Nous avons souhaité nous joyeux Noël. Aujourd'hui, sur l'État qui a prêché l'union, l'union de la famille haïtienne. Que tout le monde connaît aujourd'hui, nous avons développé la communauté avec la communauté. C'est pas avec distance. C'est le monde qui l'a. Que nous pouvons former pour l'alphabétisation, les gens qui sont capables de faire au sens pour le planning familial, c'est les gens communautaires qui peuvent lui-même déterminer qui mode d'intervention l'État n'a pas cherché. Je dis à ces gens qui veulent l'autre, ça qui peut regarder, ça qui peut. On regarde comment ensemble nous sommes capables de créer un bagage de solidarité.